Thierry, tu as la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour pour ce webinaire de la Société française d'hygiène hospitalière. Un webinaire qui aura comme sujet la COVID-19 qui occupe malheureusement toute notre année 2020 et qui n'a pas fini de nous occuper. Et je pense malheureusement que ça va déborder sur 2021. En fait, ce soir, on va traiter deux sujets qui sont vraiment importants et qui se posent à nous dans notre quotidien. Le premier va tourner autour du dépistage du virus. Et on voit avec les différentes évolutions qu'il y a eu, qu'il y a vraiment besoin de faire un peu un point sur ce qui est possible de faire, pour qui et pour quand. Et nous aurons le plaisir d'écouter Alexandre Guémard, qui vient de Lyon, qui est virologue. Et en deuxième partie de ce webinaire, on va écouter le professeur Christian Rabaud, qui est infectiologue au CHU de Nancy, qui va nous parler en fait de la prise en charge des patients, des anciens des patients guéris du Covid et qui reviennent dans le circuit, soit pour une nouvelle prise en charge, un nouveau processus infectieux. Et on va voir, c'est un problème qui se pose quand même maintenant aussi fréquemment, comment on les prend en charge et s'il y a des particularités. Voilà, donc ce soir, donc 1 heure de webinaire. On va laisser un temps maximum aux échanges, donc 20 minutes de présentation pour chacun des orateurs, pour qu'on ait 10 minutes d'échange avec eux et on fera une conclusion à la fin. Ce sera mon président, le docteur Bruno Grand-Bastien, qui aura la lourde tâche de conclure ce webinaire. Donc voilà, donc on va démarrer d'emblée la première communication. Donc c'est Alexandre Guémard de Lyon qui va nous parler en fait de la place des tests de dépistage du SARS-CoV-2. Merci beaucoup. Tu as la main, Alexandre, pour partager ton écran. Merci, bonsoir à tous. Merci pour cette introduction. Alors, si on se remet au début, hop, voilà. Je pense que c'est bon, vous avez tous. Ok, c'est parfait. Et ben, du coup, je vais vous parler des places des tests de dépistage du SARS-CoV-2, quel examen réaliser à quel moment. Donc, je vais commencer par une petite introduction sur le SARS-CoV-2 et notamment sa physiopathe et l'expression virale, parce que si on comprend ça, on comprend beaucoup mieux quel test placer à quel endroit. Alors, si ça veut bien fonctionner, les aléas du début, voilà. Donc, le SARS-CoV-2, c'est un virus à ARN enveloppé qui appartient à la famille des coronaviridae. Genre bêta coronavirus, en fait c'est une très grande famille, hein, la famille des coronavirus. Je vous ai mis les principaux représentants dans le tableau. On a celui qui nous occupe en ce moment, le SARS-CoV-2 tout à gauche. Les coronavirus dits humains à côté, le SARS-CoV premier du nom ensuite, et le MERS coronavirus ensuite. Donc ce qui est intéressant de remarquer dans cette famille, c'est déjà le réservoir, qui est un réservoir animal pour l'ensemble de ces virus et le taux de mortalité également parce que c'est très très variable et en fait les virus de cette famille sont également très variables et très différents les uns des autres. On voit sur l'arbre à droite en fait la distinction entre ces différents virus qui appartiennent à différentes sous-familles et ce sont des virus qui sont très différents, très distincts les uns des autres et qui vont aussi se répliquer très différemment chez l'homme. Donc la transmission du SARS-CoV-2, elle se fait par voie respiratoire principalement. C'est un virus qui est très épidémiogène, avec une très forte capacité à se disséminer rapidement. Cette capacité épidémique, on peut la mesurer avec le R0, qui est le taux de reproduction de base du virus, c'est-à-dire le nombre d'individus qu'une personne porteuse va infecter pendant la durée de son infection. Je précise bien au début de l'épidémie, puisque une fois l'épidémie et des mesures sanitaires mises en place, on n'est plus sur un R0, mais sur un R effectif calculé en temps réel. Et on voit sur l'image de gauche, du coup, je ne sais pas si on voit ma souris, mais Oui. sur l'image, oui, donc sur l'image de gauche, on voit que la COVID-19 et donc le SARS-CoV-2 a quand même un R0 initial assez élevé, bien plus élevé que la grippe, ou même que Ebola en l'absence de toute mesure barrière. Aujourd'hui, donc l'ampleur de l'épidémie, elle dépend du R0 et du R effectif en fonction des mesures sanitaires qui ont été mises. L'objectif, c'est d'avoir un R effectif inférieur à 1. Et les données les plus récentes que j'ai pu trouver
sur les derniers calculs, mettait un R effectif en France à 0,83. Donc la transmission, je vous l'ai dit, c'est par voie respiratoire, principalement par les grosses gouttelettes, mais également, il y a eu pas mal de rapports dernièrement sur l'impact des aérosols qui entraînent une contagiosité possible, même à distance d'une personne infectée, puisque les aérosols, on peut en retrouver à plus de 4 mètres d'une personne. Après, c'est toujours pas très clair les doses présentes dans ces aérosols et si ces doses sont suffisamment importantes pour être infectantes. Donc, on passe sur l'excrétion virale. Du coup, une fois infecté, on a une durée médiane d'incubation qui est d'environ 5 jours et le risque de transmission ensuite va débuter 2 jours avant les symptômes. On le voit bien sur le schéma de gauche où on a le début des symptômes et le pic d'excrétion virale en fait qui est avant le début des symptômes, en moyenne une journée avant. Et la contagiosité pourrait être déjà 2 jours avant le début des symptômes. En plus de ce coup, de cette contagiosité présymptomatique, on a également un contingent de personnes asymptomatiques qui sont contagieux, et c'est une des rares pathologies respiratoires infectieuses, en tout cas virales, où ça a été très 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 bien documenté. En revanche, dès qu'on dépasse les 7 jours, on a quand même une contagiosité qui diminue très drastiquement, surtout sur les Covid non graves et les patients immunocompétents. Et c'est ce qu'on peut voir ici avec les lignes en pointillés. Donc la figure de gauche, c'est une modélisation hein, issue de plusieurs milliers de charges virales. Et en fait, la partie en pointillés, c'est l'excrétion de virus infectieux retrouvés par culture. Et on voit que cette excrétion, aux alentours de 7 jours, se négative. Ensuite, une question qu'on pourrait se poser, c'est doit-on dépister et peut-on dépister de la même façon les symptomatiques et les asymptomatiques? Il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines maintenant sur deux groupes symptomatiques et asymptomatiques et où la comparaison entre ces deux groupes a été très bien faite. Et notamment au moment du diagnostic, il n'y avait aucune différence en termes de quantité de virus au niveau des prélèvements respiratoires, que l'on soit symptomatique ou asymptomatique. Donc l'excrétion virale est identique quelle que soit la clinique chez les personnes non graves. Et l'excrétion virale semblait dans cette étude, donc bon, c'est sur un nombre de personnes assez restreint, hein, mais c'est pas si évident que ça de pouvoir suivre l'excrétion virale de personnes asymptomatiques. Du coup, dans cette étude, l'excrétion virale était notée quand même plus longue chez les asymptomatiques et c'était potentiellement relié à une diminution de la réponse immunitaire. Une dernière diapo sur ça, ce sont des données qu'on a obtenues au laboratoire au tout début de l'épidémie sur les tout premiers patients. Je ne sais pas si vous vous rappelez les patients chinois qui étaient hospitalisés à Bichat et à Bordeaux. Et finalement, ces toutes premières données très très préliminaires bah, se sont bien confirmées par la suite. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'était surtout que le sang peut se positiver et que la virémie était associée avec la gravité. Et qu'on retrouvait régulièrement des PCR positives dans les selles sans que la présence de virus infectieux ait été retrouvée forcément systématiquement. Mais l'excrétion et la positivité des selles se fait par contre de façon très prolongée, mais pas chez tout le monde, que chez une faible proportion de patients. Donc, si on en vient vraiment au diagnostic pur et dur, cette fois, le diagnostic virologique, on va avoir deux types de diagnostics différents. Qui vont avoir chacun leur place. On va avoir le diagnostic direct, où on va chercher le virus, donc préférentiellement dans un prélèvement respiratoire, avec la technique la plus sensible possible. Les techniques de référence restent les techniques de biologie moléculaire, ou avec des techniques moins sensibles, et on reviendra sur ces détails-là, notamment avec la détection d'antigènes. Je pense qu'actuellement, on est tous bien, bien sensibilisés à la détection antigénique, et on va en retoucher un petit mot. On peut également faire de la culture cellulaire, mais ça, c'est très restreint et limité à des labos spécialisés. Ensuite, le deuxième type de diagnostic qu'on a, c'est le diagnostic indirect, la sérologie, avec la recherche d'anticorps. On peut faire des tests rapides immunochromatographiques, type bandelette, ou des tests classiques, type ELISA, qui cette fois sont automatisables sur des automates de laboratoire pour pouvoir faire
de grandes séries de prélèvements. Donc, si je reviens sur chacun de ces tests, alors d'abord le prélèvement pour la biologie moléculaire, mais on le verra aussi pour les autres types de diagnostics. Donc, l'écouvillonnage nasopharyngé, ça reste la référence, en tout cas en France. Il existe plusieurs alternatives qui sont utilisées dans d'autres pays ou qui peuvent être utilisées aussi en France en fonction. C'est le prélèvement oropharyngé, notamment s'il y a une contre-indication au prélèvement nasopharyngé. Et il a beaucoup été fait mention de prélèvements salivaires. Il y a deux, notamment, grosses études qui sont en cours, qui sont l'étude Covisal et Salivcov en France. Et je n'ai pas vu les résultats définitifs. Je ne pense pas qu'ils soient encore publiés. Mais en tout cas, les résultats préliminaires qui étaient sortis fin septembre et courant octobre montraient qu'on avait environ 80% de sensibilité lorsqu'on comparait les résultats de PCR sur salive comparés aux résultats de PCR sur prélèvement nasopharyngé. Ça, c'était chez les symptomatiques. Et chez les asymptomatiques, on avait une diminution très drastique de la sensibilité avec une sensibilité qui pouvait chuter en dessous de 40%. Donc, il y avait cet aspect-là. On attend les résultats définitifs parce que finalement, 80% de sensibilité, c'est pas si mal. Mais il y avait un point très important, c'est qu'au niveau du laboratoire, la salive, ça se traite pas du tout comme un prélèvement oropharyngé ou nasopharyngé, et qu'en termes de temps d'analyse, c'est beaucoup plus long d'analyser de la salive par rapport à ces autres prélèvements. Donc, ce qu'on gagne au niveau du prélèvement, on le perd en analyse au laboratoire. Donc, comme je vous le disais, comme je vous l'ai montré dans la toute première partie, d'autres prélèvements sont possibles. Hein, on peut faire le diagnostic sur des prélèvements beaucoup plus profonds, respiratoires, les LBA, les aspirations trachéobronchiques, les expectorations. On peut le chercher dans le sang et les selles. On peut également faire la recherche dans les biopsies et les LCR, même si ce n'est pas pour l'instant quelque chose qu'on fait de façon routinière. Hop. Si on va maintenant sur les différents types d'examens biologiques, donc on a la biologie moléculaire qui est vraiment l'examen de référence avec la RT-PCR de routine. Donc généralement, c'est une RT-PCR sur un automate pour faire de gros volumes, ça va prendre 4-5 heures à peu près. Ça peut être un peu moins, mais ça va beaucoup dépendre des volumes qui doivent être assumés en fonction des machines et de leur capacité. Il existe des tests de PCR beaucoup plus rapides, mais qui sont faits pour être faits de façon ponctuelle. On ne peut pas passer de grand nombre de patients dessus. Et là, on peut avoir les résultats en moins d'une heure. Et enfin, il y a les PCR vraiment type point of care qui jouent dans la catégorie plutôt du test antigénique et qui vont rendre des résultats extrêmement rapidement en 15 minutes. Donc, on est là avec la technique de référence, à la fois pour le diagnostic, mais aussi pour le suivi. Pourquoi pour le suivi? Parce qu'on peut avoir, grâce à ces techniques de biologie moléculaire, une évaluation semi-quantitative de la concentration virale dans les prélèvements. Et c'est ce que nous donne le CT. C'est ce que je vous montre ici. En fait, ça, ce sont des courbes de PCR, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en voir, bon, très schématisées. Et le CT, c'est la valeur, voilà, de positivité de cette courbe. Et plus on a une valeur faible, ici, plus on est concentré en virus initialement et plus on a une valeur tardive en CT, plus moins on est concentré en virus. Et cette évaluation, elle permet quand même un certain suivi chez des patients hospitalisés notamment. La Société française de microbiologie a justement émis un avis là-dessus pour essayer d'harmoniser un peu les pratiques et les rendus de résultats, que ce soit pour le dépistage ou pour le suivi des patients, avec des valeurs seuil qui permettent d'essayer de classer les patients en fonction de l'excrétion virale qu'ils ont, et notamment l'excrétion virale significative, qui serait pour un CT inférieur à 33. Les excrétions virales modérées, voire très faibles, en gros, c'est des patients pour lesquels il faut prendre des précautions, mais probablement peu ou pas infectieux. Et on a les CT supérieurs à 37, où là, l'excrétion est extrêmement faible, et nous, on n'hésite pas à rendre non contagieux. Attention, ces CT varient d'une technique à l'autre. Et dans cet avis de la SFM, toutes les techniques qui ont été évaluées par le CNR des virus respiratoires français ont été corrélées avec la technique de référence et les seuils CCT de 33 ou autres sont adaptés pour chaque technique.
Donc, la biologie moléculaire, on en a entendu beaucoup de choses au cours de ces derniers mois, plein, beaucoup de choses dans les médias notamment, avec quand même quelques sorties assez exceptionnelles, du type une sensibilité de 70% ou 90% de faux positifs sur les tests PCR. Donc, bien évidemment, tout ça est complètement faux. Je vous invite à aller voir l'article du Monde que j'ai mis en bas. Qui détaille très nettement ces fake news et qui est très intéressant. Donc, quelles sont les réelles performances de la biologie moléculaire? Donc, il y a plusieurs études qui sont sorties. Il y a une méta-analyse qui est quand même très robuste qui a été faite et qui est sortie, je ne sais plus, je crois que c'est cet été, dessus et qui montre une sensibilité de la RT-PCR pour le diagnostic de la COVID de plus de 95% avec une spécificité de 99,9%. Donc ça reste et c'est pour ça que c'est le diagnostic de référence, le test de référence pour le diagnostic. On a, nous, en interne, fait nos propres évaluations dans différentes études cliniques et une étude qui a été réalisée sur le personnel soignant au cours de la première vague. Avec comme référence la séroconversion à plus d'un mois. Et en utilisant cette référence, cette séroconversion à plus d'un mois, ce qui peut être aussi un peu biaisé, hein, mais voilà, on avait une sensibilité de plus de 80, voilà, de 90% et une spécificité de 100% avec la PCR. Donc la biologie moléculaire est vraiment à de très très bonnes performances. Parfois un peu trop, justement, on n'arrive plus à faire sortir les patients de soins. Avec des PCR qui restent positifs très longtemps. Donc, maintenant, si on passe au deuxième type de test très médiatique en ce moment, le test antigénique. Donc, ce sont des tests rapides qui se font sur des petites bandelettes, des petites cassettes de ce style-là. Ce sont des tests qui nécessitent un prélèvement respiratoire également, un prélèvement nasopharyngé. Hein. Pour l'instant, ils ne sont pas réalisables réellement sur d'autres types de prélèvements. Donc, bon, le prélèvement est toujours là. Et peut toujours être limitant. Et par contre, on a un résultat très rapide en 10 à 15 minutes. Donc, l'AHAS a émis quand même certaines indications qui ont changé à peu près, je pense, toutes les 48 heures au cours du mois de novembre. Mais on va dire que depuis le 28 novembre, on est un peu plus stable. Et ces recommandations évaluent comme population cible de ces tests antigéniques bah, beaucoup de monde, voire un peu tout le monde. Puisque ce sont les patients symptomatiques, par contre, là, sur les patients symptomatiques, ça sera les patients symptomatiques à moins de 4 jours du début des symptômes. Si on est positif, il n'y a pas de confirmation à avoir. Si on est négatif, dans ce cas-là, une confirmation par PCR est recommandée, mais uniquement si on a plus de 65 ans ou la présence de facteurs de risque. Ensuite, il y a un deuxième volet à ces recommandations, c'est que ces tests peuvent être utilisés chez toute personne asymptomatique, qu'elle soit contact ou dans le cadre d'un dépistage ciblé à large échelle. Donc ça, c'est pour le dépistage. Également, dans cet avis, il y a quand même quelque chose qui est spécifique aux patients hospitalisés et aux urgences hospitalières, où il est dit que pour ces patients spécifiquement, pardon, l'utilisation de la détection du génome du virus par technique d'amplification reste la référence. D'accord? Les tests antigéniques pourraient avoir une place en complément, mais qu'il faut faire attention à l'utilisation aux urgences de ces tests. Et je vais vous montrer par la suite pourquoi. Donc, l'OMS a publié quand même un certain nombre de choses sur les performances de ces tests, mais des choses très généralistes. Et ce qui ressort, c'est une sensibilité de 80% avec une spécificité de 97%. Donc ça, c'est ce que rapporte l'OMS. Les études de terrain faites notamment à Henri Mondor et à la PHP, où ils ont testé un très très grand nombre de tests antigéniques, ont des résultats un petit peu plus, on va dire, mitigés. Donc ça, c'est une première étude qui a été faite. Sur les 6 premiers tests qui étaient disponibles dès le mois de septembre. Donc, sur 634 échantillons, il y avait 297 positifs qui ont été classés en fonction de la gravité des symptômes, du résultat de PCR et de la date de début des symptômes. Et il y avait 337 négatifs qui ont été récupérés pour le coup dans des anciens prélèvements de 2019.
Donc sur ces 6 premiers tests, on avait une spécificité globale relativement bonne, à 100% pour la plupart, et parfois voilà, 93-98%, mais c'était plutôt bon. Et ça correspond à ce qu'avait publié l'OMS. En revanche, sur la sensibilité globale, on a de très importantes variabilités, une très grosse variabilité, pouvant aller de 32% à plus de 60% pour le meilleur des tests. Donc quand je dis sensibilité globale, c'est tout venant. Symptomatique, asymptomatique, quel que soit le résultat de la PCR, etc. Si on détaille un petit peu plus pour les populations cibles, c'est-à-dire la sensibilité chez les symptomatiques de moins de 4 jours, et bien on se rend compte qu'on a quand même des meilleures performances avec des tests qui atteignent les 81%, mais d'autres qui restent cantonnés à un faible 50%, donc détection d'un positif sur deux hein, pour les symptomatiques de moins de 4 jours. Si on, cette fois on classe les résultats en fonction des résultats de PCR, donc la sensibilité pour les PCR, on va dire assez forte, avec un CT inférieur à 33, en tout cas ce qui était considéré par la SFM comme une excrétion virale significative, eh ben, on a des résultats à peu près similaires à la sensibilité chez les symptômes de moins de 4 jours, c'est-à-dire qu'on va rester pour les meilleurs tests autour de 75% de sensibilité, donc avec une personne sur 4 qui va être ratée. Cette étude, elle a été complétée par une deuxième, alors sur un nombre d'échantillons un petit peu plus restreint au vu de la situation de la seconde vague notamment, mais sur tous les tests antigéniques qui sont sortis du coup depuis le mois de septembre. Et le test AZ ici en premier est un test qui a été utilisé comme référence dans les deux évaluations, puisque c'est le test qui avait montré les meilleures performances au cours de la première évaluation. Donc, au cours de cette deuxième évaluation, on est sur environ 300 échantillons. La même méthodologie a été appliquée. Et cette fois, les spécificités donc, voilà, sont toujours très bonnes, de 100%, 99%. Donc, on n'a pas de souci de spécificité sur ces tests. Là, la sensibilité globale donc, sur le tout venant n'avait pas été évaluée sur cette deuxième étude. Par contre, les sensibilités spécifiques à chaque groupe ont été faites. La sensibilité chez les symptomatiques de moins de 4 jours reste très similaire à ce qui était vu au cours de la première étude, avec une sensibilité qui se cantonne quand même à 50% pour une très, très large part de ces tests antigéniques. Et si on regarde les sensibilités pour les CT inférieurs à 33, eh ben, on a un peu le même style de résultat, même un peu moins bon, où on va avoir une grande partie des tests qui vont être en dessous des 50% de sensibilité. Et voire pour certaines références, ça peut tomber en dessous des 40%. Là, ça devient un petit peu dramatique. On a encore quelques références qui, quand même, sont meilleures que les autres, hein. On a un certain nombre de références qui ont des performances tout à fait acceptables pour du test antigénique. Mais il faut bien avoir conscience qu'on est très loin de la sensibilité de la biologie moléculaire à plus de 95%. Si je vous parlais de ces tests antigéniques pour les patients hospitalisés, donc nous, on a essayé de le mettre en place aux urgences à Lyon pour les hospices civils de Lyon. En fait, le principe, vous savez que les tests de biologie moléculaire, on a été contingenté beaucoup sur la quantité de tests que l'on avait à disposition. Donc, on est parti du principe que pour les urgences et pour tous les tests demandés en urgence, on allait en premier lieu réaliser un test antigénique. S'il était positif, on s'arrête là. S'il est négatif, on passe à un test de biologie moléculaire rapide, type GeneXpert ou BioFire, avec une réponse en 1 heure. Donc, ce qu'on a pu faire donc sur 590 échantillons issus de 4 services d'urgence différents, voyez, on a un taux de positivité en antigène d'environ 7% pour un taux de positivité totale de 24%. On avait donc une sensibilité dans cette population présente aux urgences d'à peine 30%, alors qu'on était avec un test antigénique qui, dans l'évaluation de la PHP, avait une sensibilité globale de plus de 60%. Et le cut-off par rapport au GeneXpert était tous les CT supérieurs à 25, on n'arrivait pas à les récupérer en test antigénique. En plus de ça, l'économie était vraiment très modérée puisque ça nous a fait faire une économie d'à peine 7% des tests moléculaires, donc pas bien d'utilité à ce niveau-là. Et le gain de temps obtenu était risible puisque avec un TROD positif, on rendait le résultat 6 minutes plus rapidement. Avec un TROD négatif, on rendait le résultat du coup avec 20 minutes de retard par rapport à quand on faisait le test
de biologie moléculaire directement. Donc ces résultats qui semblent très mauvais, hein, ils s'expliquent assez facilement, c'est que les patients qui se présentent aux urgences, généralement, ils ne sont pas au début de leur symptomatologie, ils ont souvent déjà quelques jours derrière eux, parfois plus d'une semaine. Du coup, on se retrouve dans une population très difficile à détecter en test antigénique. Je finirai sur la sérologie pour faire le tour de l'ensemble des tests. Donc la sérologie, je vous ai dit, il y a deux façons de le faire, soit sur automate, soit en test rapide également. Voilà, on va assez vite dans les deux cas. Ça va surtout être le volume d'échantillons qui vont être passés qui va faire la différence. Globalement, les recommandations qui datent un petit peu, mais qui sont toujours d'actualité de ces tests sérologiques, c'est du diagnostic de rattrapage, de l'épidémio ou du diagnostic à distance en cas de RT-PCR négative. Voilà, donc pas du tout un diagnostic de première intention d'infection aiguë. On peut regarder les cinétiques qui ont été publiées au niveau des tests sérologiques. Donc là, je vous invite à regarder surtout la courbe rouge qui sont les IgG. C'est la plupart des tests, c'est surtout ce qu'ils vont détecter. Les tests qui détectent les IgM sont assez rares ou sinon on fait les IgG totales. On détecte tout d'un coup. Et on peut regarder qu'en fait, on va avoir 90% de nos patients qui vont avoir une réponse et des IgG détectables en fait 15 jours après le début de leurs symptômes. Encore une fois, je vous remets un peu des résultats des patients asymptomatiques et symptomatiques. En fait, ce qui a été montré, c'est que les patients asymptomatiques vont avoir une réponse IgG qui semble légèrement plus faible que les symptomatiques. Par contre, au niveau des IgM, pas de différence. La question, c'est à quelle distance on peut faire ces tests sérologiques. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même une chute des anticorps au cours du temps. Ça, c'est une étude. Donc, les premiers points étaient faits en phase aiguë, les seconds points en phase convalescente. La phase convalescente était considérée à 8 semaines après la fin de la phase aiguë. Donc, on est 2 mois après. Et à 2 mois post-phase aiguë, on observait chez 90% une chute du taux d'anticorps. Donc, une chute ne veut pas dire une négativation. Hein, on est d'accord. En revanche, lorsqu'on regarde les deux populations asymptomatiques et symptomatiques, toujours avec ce même délai de 8 semaines, on avait une négativation des IgG chez 40% des patients asymptomatiques après 8 semaines. Et ça paraît assez logique en fait, puisque ils ont un taux d'IgG qui est plus bas. Donc la chute, même si elle se fait à la même vitesse, ils vont atteindre la négativation plus rapidement. Donc les sérologies, oui, mais pas trop tardivement, sinon on ne pourra pas conclure. Ça, c'est plus pour information. Regardez bien le cadre en bas. En gros, le cadre en bas, c'est au-delà de 3 semaines. Les performances en sensibilité de tout un tas de tests commerciaux qui sont sur le marché, qui sont les principaux disponibles. Et en gros, ce que je veux vous montrer ici, c'est que quasiment aucun test, à part le OneTie, n'atteint une sensibilité de 100%. C'est-à-dire qu'en plus du fait que tout le monde ne se séroconvertit pas à la même hauteur, à la même vitesse, etc., la sensibilité des tests ne permet pas de détecter tout le monde. On va avoir une sensibilité aux alentours des 90% pour la quasi-totalité des tests. Donc, je vais finir là-dessus pour laisser quand même la place à la discussion. En conclusion, la PCR et la biologie moléculaire restent l'examen de référence pour le diagnostic d'une infection en cours, pour l'évaluation du risque de transmission à l'entourage et le suivi du patient et son contrôle de l'infection. Les tests antigéniques, ils vont avoir leur utilité pour vraiment en premier lieu pour screener les patients, notamment les patients symptomatiques de moins de 4 jours. En revanche, ils n'ont aucune place à l'hôpital ou sur une population qui a des symptômes depuis au moins une semaine. Et pour le dépistage de masse, ça peut être intéressant, mais attention, c'est uniquement si la PCR est impossible, parce que sinon, vu les sensibilités, on va avoir un trop de personnes ratées par ces dépistages. Et la sérologie, c'est très intéressant en complément de ces tests-là, par contre, pour le diagnostic rétrospectif et pour évaluer le statut immunitaire, notamment dans des clusters ou post-vague épidémique. Voilà, je vous remercie. Merci, Jérôme. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation extrêmement claire et illustrée. C'est vraiment intéressant et puis on se rend compte qu'on ne maîtrise, on comprend et on ne connaît pas forcément tout et on a vraiment besoin des experts pour nous éclairer, notamment pour la mise en place pratique de tout ça.
Moi, je vois, enfin, je suis à Strasbourg. Les tests antigéniques, c'est vrai qu'on a tout le monde trépigne. Il y a une forte demande des services pour les utiliser et sans en se rendant compte que pas forcément tout le monde comprend les limites des capacités de ces tests. Alors, je suis avec Sarah Romano-Bertrand. On est à deux. Sarah, vous ne la voyez pas, mais elle est dans les coulisses. Elle est hygiéniste à Montpellier et c'est elle qui m'aide. Pour la partie questions aux orateurs. Alors, vous pouvez poser des questions. Alors, malheureusement, j'ai oublié de le dire en introduction. Vous pouvez poser des questions dans le chat qui est accessible dans la plateforme GoToMeeting. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. On est à deux pour les transmettre. Alors, donc moi j'avais, enfin j'ai deux questions qui me demandent. Une première par rapport à la théorie, on montre toujours cette courbe infectivité avec pour les sujets standards, pas grave, avec effectivement ça commence à moins 2 jours avant les symptômes et ça redescend à J7, mais finalement c'est quoi la courbe des graves? Est-ce qu'on a quelque part, est-ce que quelqu'un s'est intéressé à faire cette évaluation? Parce que finalement, enfin, mon Christian va en parler, je pense aussi. Est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe? Tu as évoqué tout à l'heure des PCR qui restent positives longtemps. Est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors globalement, il y a pas mal de gens qui se sont quand même penchés sur l'excrétion virale en fonction de la clinique, en fonction de la gravité, en fonction de l'âge. Les résultats ne sont pas toujours concordants, mais ce qui ressort assez globalement, c'est qu'il y a quand même peu de différence d'excrétion, quelle que soit la clinique, quel que soit l'âge. On va avoir des formes. Donc, graves qui vont avoir une dérégulation et une réplication virale prolongée, mais ce n'est vraiment pas la moyenne en fait. Vraiment, là, ce que je présentais, ce graphe typique avec la diminution à 7 jours, c'est vraiment la personne immunocompétente. Et les quelques études qui sont sorties sur cette diminution en fonction de la gravité, bah, laisse supposer que la diminution est la même, la vitesse de diminution est la même pour tous les patients. En tout cas, en moyenne. Après, il y a toujours un certain nombre de patients qui vont faire une forme grave parce qu'ils ont une réplication virale non contrôlée, et ceux-là, il faudra les suivre par PCR et on ne peut pas prédire à l'avance combien de temps ils vont excréter du virus infectieux, en fait. D'accord. Sarah, est-ce que tu as des questions qui viennent du public? Bonsoir. Alors, il n'y a pas de questions, y a pas de questions sur le chat. Par contre, moi, j'avais une question du coup pour rebondir bah, par rapport justement à cette discussion des PCR qui restent longtemps positifs chez les patients et notamment les patients graves. C'est vrai que quand on regarde les recommandations, on considère que 21 ou 24 jours après le diagnostic pour finalement lever en quelque sorte les précautions Covid chez un patient. Après, en pratique, notamment pour les patients qui sont hospitalisés en réanimation, on est quelquefois un petit peu frileux, notamment s'ils ont des tests PCR qui restent positifs longtemps, pour lever ces mesures d'isolement. Et du coup, ben, j'avais une question de plus. Enfin, voilà, sur l'interprétation de ces tests PCR, je sais que nous, par exemple, à Montpellier, on a tendance finalement à corréler, bon, évidemment, l'état clinique du patient avec deux tests PCR qui seraient négatifs à 48 heures d'intervalle. C'est un petit peu le critère qu'on suit en interne. Mais je ne sais pas trop enfin, ce que vous en pensez et puis ce qui se fait à Lyon ou à Strasbourg par rapport à ça. Alors pour Lyon, nous on est parti du principe, on fait maintenant deux types de tests différents. En fait, on a deux techniques de biologie moléculaire très séparées. On a une technique qui se fait en TMA, peu importe la technologie qu'il y a derrière, mais en gros, c'est une technique de dépistage très sensible, mais qui ne rend pas de CT. Donc, on la réserve aux diagnostics initiaux. Ensuite, pour tous les patients qui vont être hospitalisés, qui vont être suivis et où il y a un suivi derrière, on fait une technique un peu plus classique où on a un CT et on rend
ce CT et on rend une conclusion concernant la contagiosité possible, probable ou à prendre en compte pour chacun de ces patients qui est suivi, réanimation ou autre service d'hospitalisation. On rend le CT et une conclusion dessus. Du coup, sur les patients qui ont des excrétions prolongées, on va dire si pour nous cette PCR positive est enfin, potentiellement liée à un risque infectieux ou pas de ce patient. Et ce qu'on observe généralement, c'est que les PCR peuvent rester positives très longtemps, mais elles restent positives à des taux où on est vraiment en limite de sensibilité. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, on a certains patients qui vont être prélevés un jour positifs, prélevés le lendemain négatifs, puis Oui, reprélevés positifs, ça m'est etc. arrivé. C'est parce qu'on est vraiment, en fait sur des faibles concentrations virales qui, en fonction du prélèvement, en fonction du jour et en fonction de la technique, vont pas sortir systématiquement positifs. Donc sur ces patients-là, par exemple, on va rendre quand ils sont positifs qu'ils ne sont pas à risque de transmission. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Du coup, si on résume finalement, en fait, l'intérêt, c'est d'utiliser le test PCR le plus sensible possible, vraiment à visée diagnostique, et de suivre la CT, l'évolution de la CT finalement pour évaluer le risque d'infectiosité du patient ensuite de son infection. En tout cas, nous, c'est le parti qu'on a pris, sachant que bon, c'est toujours compliqué, hein, cette histoire de contagiosité, puisque vous n'avez pas que l'excrétion virale qui va rentrer en compte, il y a aussi toute la clinique. Un patient qui tousse sera plus contagieux qu'un patient qui tousse pas, etc., etc., etc. Mais pour les patients hospitalisés et suivis, on essaye de rendre un risque de contagiosité en fonction du CT du prélèvement, qui n'est pas, bon, pas la réalité, mais c'est une information qui peut aider. On a une question de Bruno. Merci beaucoup, Bruno. Oui, j'avais une question. Dans mon établissement, le laboratoire transforme les CT en charge virale, en nombre de copies par millilitre, ce qui rend les choses un peu plus faciles à interpréter pour les collègues. Et on retrouve malheureusement encore trop souvent des patients de réanimation qui ont des charges virales extrêmement élevées. Ça correspond à des CT qui sont très bas, hein. On a des patients qui ont plus de 10 millions de copies par millilitre après 40 jours de réanimation. Comment, en virologie, on explique cette situation autrement que par une réplication virale qui reste active et donc un patient qui est clairement encore contagieux? Alors sur des charges, sur des valeurs aussi élevées, il n'y a pas d'autres explications et d'autres possibilités qu'une réplication virale aussi loin de l'infection initiale, parce que ce qui est supposé pour les faibles positifs, c'est qu'il y a un peu un restant de génome au niveau cellulaire, mais qu'il n'y a plus du tout de particules virales intactes et qui pourraient propager la maladie. Ça, c'est pour les faibles positifs. Du coup, ce serait potentiellement des cellules et qui contiendraient encore un petit peu de génome. Et il faut un certain temps pour que la muqueuse se renouvelle et qu'il n'y ait vraiment plus rien de présent au niveau nasopharyngé. Si au-delà de 40 jours, on a encore des CT très importants, ça ne peut, enfin, en tout cas pour moi, ça ne peut venir que d'une réplication virale active et d'une reproduction de ce génome au niveau cellulaire. Donc potentiellement une contagiosité. D'accord. Alors, on va devoir malheureusement s'arrêter là. Je dois faire le maître du temps, hein, parce qu'on a encore une autre communication qui va être aussi passionnante que la première. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette communication. Et je vais rapidement passer la parole au professeur Christian Rabaud à Nancy, qui va nous parler justement de la prise en charge du patient qui est déjà connu porteur, qui a présenté la maladie déjà, et qu'on va devoir reprendre en charge et les implications que ça peut avoir. Merci beaucoup Christian d'être là et pour ta communication. Merci, vous m'entendez bien et vous voyez mes diapos? Oui. Alors, merci Thierry pour cette invitation et merci Bruno à la SF2H pour l'organisation de ce webinaire. Donc, effectivement, la question qui m'a été posée par Thierry est la suivante. Quelle prise en charge pour un patient ayant présenté une COVID-19 lors d'un nouvel épisode infectieux ou lors d'une nouvelle hospitalisation avec un geste invasif? Quelles précautions faut-il rechercher le SARS-CoV à nouveau? Donc, essayer de faire avancer mes diapos. Voilà. Donc, en d'autres termes, ce que j'ai compris de la question, c'est
Peut-on proposer pour ces patients chez qui on a cette notion d'antécédent et on va voir sur quoi on peut baser cette notion d'antécédent, une conduite à tenir différente de celle qu'on adopte pour un patient standard qui est pris en charge dans nos établissements en cette période Covid qui s'éternise un peu? Et donc les questions qu'on va être amené à traiter sont la question à la fois de l'immunité, de savoir si elle est protectrice ou pas, et d'autre part de savoir, et ça a déjà été un petit peu abordé par Alexandre, quelle est sa durabilité ou quelle est sa fiabilité. Alors la première question que je me suis posée par rapport à tout ça, la réponse est assez simple, mais est-ce que c'est encore une question d'actualité? On pourrait se dire que non, en considérant que l'épidémie Covid est terminée. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, je vous ai simulé là-dessus un petit peu le suivi qu'on fait ici de l'épidémie au niveau national en se basant essentiellement sur une variable limitante qui nous intéresse, qui est l'occupation des réanimations, sur laquelle on a pu suivre la première vague. C'est la modélisation étant la partie en jaune et la partie en brun étant quelque part la confirmation a posteriori par les données recueillies quotidiennement par Santé publique France de la validité du modèle. On voit qu'on a eu cette première vague, on est passé par une période de répit pendant l'été, puis cette deuxième vague qui a conduit à ce deuxième confinement qui a amené à un pic en novembre 2019, aux alentours à peu près du 15 novembre. Dans les suites, une diminution et aujourd'hui, malheureusement, très clairement, on l'observe maintenant. Depuis l'allègement des mesures à compter du 28 novembre, on a une reprise de la circulation virale qui n'est bien sûr pas égale dans toutes les régions de France, mais qui dans le Grand Est en particulier se manifeste d'ores et déjà de façon importante avec une remontée de la courbe. On a fini de descendre et on commence à réaugmenter le nombre de patients présents en réanimation, donc une pression qui existe, une pression qui va se poursuivre. Et quand on sait que la vaccination nous sortira de tout ça au mieux qu'à la fin du premier semestre 2021, on est bien face à une situation où ces questions de patients touchés préalablement par la COVID et qui peuvent revenir va être une question d'actualité. Pour les patients de la première vague, on est d'ores et déjà à 8 à 10 mois de recul potentiel. Qu'est-il devenu de leur immunité? Pour les patients de la deuxième vague, on est encore proche. Mais quelque part, on voit que cette question de patients avec des antécédents va se poser. Pour autant, est-ce qu'on peut quantifier un petit peu ce qu'elle représente? On sait que l'immunité de groupe n'est pas atteinte, ce qui veut dire indirectement, et les modèles le montrent aussi, que le nombre de Français qui ont rencontré la COVID reste relativement faible. On peut estimer qu'au 31 décembre, il restera inférieur à 20% de la population française. Pour autant, environ ou au moins 10% d'entre elles aura rencontré la COVID. Donc, la question de ces gens qui vont venir avec l'affichage d'une précédente COVID va être quand même réelle, pratiquement une fois sur 10. Donc, en cela, la question est tout à fait pertinente. Deuxième élément, est-ce que le fait qu'un patient COVID soit dépisté rapidement ou pas rapidement dans une prise en charge hospitalière pose souci ou pas? Là aussi, la réponse, vous la connaissez. Vous avez ici l'illustration du suivi des cas nosocomiaux de COVID recensés depuis le début de l'épidémie, en première et en deuxième vague, mieux documentés en deuxième vague, avec en bleu les infections nosocomiales touchant des patients et en orange les infections nosocomiales touchant des professionnels de santé. On voit que c'est un phénomène réel et qu'effectivement l'entrée d'un patient COVID non dépisté, non pris en charge par des mesures adéquates, eh bien, au niveau de l'hôpital, un risque réel de foyer, de cluster. Et donc, effectivement, il ne faudrait pas soulager les mesures à tort si on n'a pas la certitude que le patient ne peut pas présenter un nouvel épisode. L'immunité donc à laquelle on va s'intéresser, même si elle n'est pas exclusive dans le cas de la COVID, c'est l'immunité humorale. On s'intéresse essentiellement à la réponse anticorps, on va revenir là-dessus. Il y a une réponse cellulaire hein, et elle a été très clairement établie. Elle est pour autant moins documentée aujourd'hui et surtout moins facile à mettre en évidence et à suivre que l'immunité humorale. Et on voit bien qu'à l'ère vaccinale en particulier, c'est bien à une immunité anticorps, une immunité humorale qu'on veut s'adresser en premier. Et c'est sur celle-ci que je vais revenir un peu. Donc, vous connaissez tous, hein, je ne reviens pas sur les détails de cette immunité humorale et non cellulaire, où une fois que l'antigène a été présenté, active des cellules B qui vont sécréter des anticorps, qui vont permettre à la fois la clairance du virus,
et puis vont activer des cellules mémoire qui permettront, en cas de réapparition du virus, de reproduire de façon très rapide des anticorps qui doivent normalement empêcher une deuxième implantation du virus, donc une récidive. Ça, c'est dans la théorie. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui d'un certain nombre de pathologies que j'ai repris ici? Dans un certain nombre de pathologies, on sait combien de temps cette réponse anticorps peut être considérée comme efficace. Et vous voyez que ça peut être très variable avec à une extrémité la rougeole, où on considère qu'une fois qu'on a fait la rougeole, on est protégé en médiane pendant 65 ans, ou la fièvre jaune pendant 75 ans. Et on voit qu'il y a d'autres pathologies pour lesquelles la protection est très courte, pour le virus respiratoire syncytial en particulier, où on considère que la protection est de très courte durée, de l'ordre simplement de quelques mois. Alors, qu'est-ce qu'on sait dans le domaine du SARS-CoV-2? D'abord, ce qu'on sait, c'est que, c'est une question qui a été posée, le fait d'avoir été soumis à d'autres coronavirus, des coronavirus du rhume en particulier, ou les autres coronavirus SARS-1 ou MERS-CoV, n'apporte pas d'immunité croisée. Donc, ce n'est pas parce qu'on a été très souvent enrhumé quand on était petit qu'on est protégé du SARS-CoV-2. Rechercher ces anticorps n'a pas d'intérêt, et le fait d'afficher des antécédents de rhume à répétition n'est pas une situation qui doit rassurer la prise en charge et considérer que le patient ne peut pas développer la COVID. La COVID, le SARS-CoV-2, l'élément un peu central aujourd'hui pour ce qui est de cette immunité humorale, c'est ce qu'on appelle le spike, hein, cet antigène qui est exprimé à la surface du virus et qui porte en lui deux sites particuliers, hein, qui va permettre l'attachement du virus à la cellule et un deuxième qui va permettre au virus de pénétrer dans la cellule et d'engager donc son cycle réplicatif. Ces zones antigéniques peuvent donner production d'anticorps et c'est celles qui vont être visées en particulier par la vaccination et par les premières vaccinations ARN qui vont se développer, enfin qui sont déjà développées dans certains pays, et qui doivent se développer en Europe, si tout va bien, avant la fin de cette année. Donc on voit que c'est sur ce point particulier qu'on va travailler. Quand on regarde un petit peu quels sont les anticorps produits face à SARS-CoV-2, il y a des anticorps de type anti-N, il y a des anticorps de type anti-spike, et il y a des anticorps neutralisants, et la recherche de ces anticorps anti-spike est considérée comme étant un bon reflet de la protection et des anticorps neutralisants qui peuvent être développés face à cette agression virale. Alors, plusieurs travaux évoquent un petit peu, ça a été là aussi un petit peu abordé par Alexandre, et on ira assez vite là-dessus, évoquent un petit peu la cinétique de ces anticorps. Là, c'est les travaux strasbourgeois de Samira Fafi-Kremer qui, à partir du suivi de soignants infectés par la COVID, a démontré que de façon assez rapide, les anticorps apparaissent, les différents types d'anticorps apparaissent, y compris les anticorps neutralisants qui sont possiblement les plus tardifs à apparaître, mais on voit qu'au bout d'un mois, en général, les anticorps sont là. Donc, la cinétique d'apparition des anticorps est une cinétique relativement rapide. À l'inverse, d'autres papiers se sont intéressés et peuvent apparaître discordants sur la durabilité quelque part de ces anticorps. Et dans cette première étude dans laquelle la cinétique d'expression des anticorps de plusieurs patients a pu être suivie, on voit une diminution relativement rapide de leur taux au cours du temps, avec une demi-vie dans cette étude qui était estimée aux alentours de 36 jours. Au bout de 36 jours, le taux d'anticorps réduit d'environ moitié, avec d'autres études qui faisaient un distinguo entre le type d'anticorps, considérant que la demi-vie des anticorps anti-S est plutôt plus prolongée, mais de l'ordre de 3 mois, plus courte pour les anti-N ou plus courte pour les neutralisants. Vous avez à l'inverse d'autres papiers qui paraissent plus optimistes et qui mettent en évidence une persistance des anticorps chez une majorité de patients qui pourraient être considérés comme acquises pour au moins 5 mois, voire davantage. Donc, on voit que les travaux restent quand même encore assez préliminaires sur le sujet et ne sont pas tous complètement convergents. Est-ce qu'on peut en tirer, entre guillemets, une information générale qui permettrait d'en déduire une procédure pour quelqu'un qui a déjà fait la COVID? C'est ce sur quoi on va revenir juste après.
Alors, il y a d'autres éléments. On sait, ça a été là encore évoqué par Alexandre, qu'il y a des gens qui ne développent pas d'anticorps malgré une Covid certaine. Et quel que soit le test sérologique utilisé, cette étude israélienne considérait que dans 5% des cas à peu près, on n'observe pas chez certains patients, chez 5% d'entre eux, l'apparition d'anticorps. Donc, cette production n'est pas forcément systématique. On sait, à l'inverse, que ces anticorps sont d'autant plus produit et à des taux plus forts, que la maladie est sévère, ça a déjà été indiqué. Chez les patients asymptomatiques, en général, la production d'anticorps est plus faible, quoique certaines études tentent à montrer que quand la maladie est sévère, les anticorps sont produits en plus grande quantité, mais peut-être en moins bonne qualité que chez des patients asymptomatiques où ils seraient de moins grande quantité, mais possiblement de meilleure qualité. Donc, on voit là encore que rien n'est complètement établi et rien n'est simple dans l'interprétation de ce qu'on voit. Les autres facteurs associés à une meilleure production sont l'âge et le sexe masculin. Et donc, ce schéma qui vous a déjà été présenté, qui montre effectivement que la production d'anticorps, sans présager de leur qualité, est supérieure chez des patients symptomatiques que chez des patients asymptomatiques. Donc, fort de tout ça, on se dit, voilà, quelqu'un qui a fait la COVID, qui a développé une sérologie, qui a des anticorps, ces anticorps peuvent être neutralisants. Est-ce qu'on peut baisser la garde? Et pour essayer de documenter la chose, je vous ai pris des contre-exemples. Des contre-exemples, des situations qui paraissaient faciles et dans lesquelles l'histoire va montrer qu'il n'est pas forcément facile de conclure sur cette affaire. Le premier, c'est celui d'un adulte jeune, sportif de haut niveau, qui ne pose pas de problème particulier. 14 septembre 2020, alors qu'il est asymptomatique, mais comme c'est un sportif de haut niveau, il bénéficie de prélèvements systématiques. Un prélèvement systématique met en évidence une RT-PCR positive, et vous allez me dire, avec un CT relativement bas, enfin haut, donc une charge virale relativement basse, puisqu'elle est entre 28 et 32, pour autant considérée comme positive, quand on lit les recommandations de la Société française de microbiologie. Dans la suite, il a une première sérologie le 21 septembre qui est négative, une le 24 septembre qui est négative. Dans le même temps, les RT-PCR sont reproduites, les 21 et 24 septembre sont négatives. Et le 19 septembre, au cours d'un voyage à l'étranger, il est franchement symptomatique. On refait à ce moment-là une RT-PCR qui s'avère positive avec des CT un tout petit peu plus bas, entre 26 et 27, et une sérologie qui va se positiver. Donc, si on avait pris en charge ce patient juste sur le premier élément du 14 septembre en disant « il a fait une COVID, il ne peut plus en faire, pas d'élément particulier à prendre en charge », on se serait fait piéger puisqu'il a représenté une COVID avec excrétion de façon tout à fait évidente à la date du 19 novembre. Un deuxième cas de figure, plus du tout le même type de patient, un patient d'EHPAD, là encore, pour lequel une RT-PCR s'avère positive en première phase, en première vague, le 31 mars, confirmée dans la suite avec une séroconversion, une sérologie positive le 27 mai, une sérologie qui va malgré tout se négativer. Et là encore, quand on suit, lors de la deuxième vague, le 9 novembre, le patient représente une RT-PCR positive, avec là encore des CT relativement bas, en tout cas franchement significatifs, une sérologie qui va se repositiver, une RT-PCR qui va rester positive un moment, avec là des résultats par contre où le CT va monter, montrant que là l'élimination virale se fait. Mais là encore, le 9 novembre, si on s'était juste arrêté au résultat préalable qu'il aurait pu nous présenter, on n'aurait pas forcément évoqué ce diagnostic et on aurait été possiblement face à un patient qui pouvait être un point de départ d'une contamination. Troisième, à nouveau un sportif de haut niveau, où là vous avez un suivi sérologique qui a été réalisé, considéré comme positif à trois reprises, le 10 août, le 21 août, le 9 septembre, avec des taux pas très élevés, mais significatifs au regard du seuil utilisé par le laboratoire, et qui en octobre va présenter un tableau symptomatique sur lequel on va confirmer une sérologie positive, mais surtout qui va être suivie d'une recherche par RT-PCR de SARS-CoV-2 au niveau nasopharyngé, qui va s'avérer là encore très positive avec un CT pour le premier gène qui est à 21, donc quelque chose de relativement fort.
La dernière que j'ai prise à titre d'illustration, c'est une publication récente auquel ont participé peut-être certains d'entre vous et qui était entre autres gérée par Bruno Posetto, sur lequel on s'est intéressé à ces patients qui potentiellement récidivent. Il y avait 11 patients dans la série, je n'ai pris que la 11e parce qu'elle est intéressante en soi, dans la mesure où c'est une femme âgée de 84 ans qui va présenter un premier épisode parfaitement documenté, puis un deuxième épisode 50 jours plus tard, donc normalement au-delà des seuils qu'on se donne habituellement comme étant la négativation, en tout cas de la contagiosité. Et ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'on a pu démontrer, en tout cas l'équipe stéphanoise, que lors de ce deuxième épisode, non seulement la RT-PCR était positive, mais la culture virale elle-même était positive, confirmant quelque part de façon indéniable la contagiosité. Donc globalement, et pour faire assez court sur ce sujet complexe que je remercie Thierry de m'avoir confié, on ne sait pas grand-chose et on est assez vite perdu quand on regarde les cas particuliers. La HAS, dans son récent rapport sur l'aspect immunologique et virologique de l'infection à SARS-CoV-2, écrivait entre autres que effectivement, alors qu'on dénombre 53 millions de cas de Covid, à travers le monde, le nombre de cas rapportés de réinfection documentée reste anecdotique, mais pour autant, ils se sont bien défendus de conclure parce que effectivement, on voit qu'aujourd'hui, on manque de données pour pouvoir se prononcer de façon définitive sur ce qui peut être fait ou pas fait, attendu ou pas attendu de ces patients en particulier. Donc ma conclusion, et pour laisser encore un petit peu de temps aux questions, c'est qu'à ce jour, au vu du faible nombre de cas rapportés et des études en cours pour contribuer à documenter les cas possibles de réinfection, il n'est pas possible de se prononcer sur la durée de la protection conférée par une infection. Et donc, même si un patient se présente à l'hôpital en ayant démontré qu'effectivement, lors de la première vague ou même au début de la deuxième vague, il a fait une authentique Covid, rien ne permet aujourd'hui de le considérer différemment des autres patients et d'appliquer le protocole que vous aurez choisi pour la population en général au niveau de votre établissement. J'ai mis ici celle qu'on utilise au CHRU de Nancy, dans lequel effectivement, pour les patients hospitalisés, on préconise préalablement une RT-PCR, indifféremment du fait de savoir s'ils ont déjà fait la COVID ou pas, et qu'on peut, si celle n'a pas été faite, essayer de compléter, mais ça a été discuté avant, au dernier moment, par un test antigénique, plutôt que de ne rien faire du tout. Mais ma conclusion, c'est clairement Covid ou pas Covid dans les antécédents, prise en charge comparable et inchangée pour les patients. Je vous remercie. Merci beaucoup Christian pour cet exposé extrêmement clair. Et on retrouve le fil conducteur de la démonstration pour arriver à cette bonne conclusion de fin, effectivement, de finalement, il faut les reprendre en charge indépendamment de leur antécédent, effectivement. On va voir s'il y a des questions. Moi, je me demandais, mais est-ce que malgré tout, on ne peut pas dire s'il y a une période de temps, un laps de temps, où il serait quand même protégé. Je veux dire, une réascension immédiate au bout de… Je ne sais pas, on parle de J24, mais si à J24, il refait un problème clinique, etc., est-ce que c'est encore le même phénomène? Est-ce qu'on pense à un phénomène nouveau? Ou finalement, enfin… On ne saura jamais, on laisse les précautions, voilà, ou qu'est-ce que tu en penses? Ce qui nous intéresse là, en l'occurrence, en tout cas, moi, l'approche que j'avais, c'est surtout sa contagiosité. Oui. En dehors du fait que lui-même peut être malade et qui justifie d'une prise en charge, mais je rappelle qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas vraiment de traitement réellement efficace dans la COVID. Le diagnostic est important, mais la prise en charge est surtout symptomatique. Mais ce qui est important, c'est la contagiosité. Et au travers des quatre exemples, on voit que cette dame qui, de nouveau, a une culture cellulaire positive à J50, c'est quand même assez court. On voit dans l'étude israélienne qu'il y a des gens qui ne produisent pas, en tout cas, d'anticorps détectables, sans qu'on sache si eux-mêmes vont refaire ou pas. Pour le moment, on a juste constaté que chez eux, on ne dépiste pas des anticorps. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas une immunité cellulaire qui les protège malgré tout. Mais on n'en a pas le marqueur et on ne sait pas. Enfin, dans tous les cas, on trouve, entre guillemets, des contre-exemples qui peuvent être très faibles en nombre, mais qui ne permettent pas de façon assez sereine de porter une conduite à tenir qui serait effectivement quelqu'un qui a fait une COVID il y a plus de 14 jours et il y a moins de 3 mois,
allons-y, il n'y a pas de problème. 50 jours, c'est moins de 3 mois. Quelqu'un qui l'a fait dans la première vague, c'est trop tard, on est à la deuxième vague, il faut le considérer différemment. Je crois qu'il ne faut pas tenir compte de cet antécédent dans l'état actuel des choses, dans la prise en charge. Merci beaucoup. Sarah, est-ce que tu as des questions sur le chat ? Alors oui, déjà merci beaucoup pour cette présentation. Donc il y a une question qui est posée sur justement le fait, on l'a vu notamment par la présentation précédente d'Alexandre, que les IgG avaient tendance à diminuer, voire se négativer au-delà de 8 semaines. Et donc il y a une question qui est, en cas de disparition des anticorps détectables, est-ce que l'immunité va être reboostée en cas de nouveau contact ou nouvelle exposition du patient au virus ? Alors, c'est pareil, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Hein. C'est bien sûr des analyses qu'il faudra faire au cours du temps. C'est vraiment une question qu'on s'est beaucoup posée, par exemple, dans l'hépatite B. Dans l'hépatite B, où on vaccine les soignants, on teste le taux d'anticorps, l'anticorps anti-HBS, et il y a des conduites à tenir en fonction de ça. Et on s'est posé la question plusieurs fois. Et je me rappelle qu'à l'époque où j'étais au GRS, on s'était posé la question si quelqu'un a été correctement vacciné à des anticorps qui ne sont entre guillemets plus détectables ou en dessous du seuil, est-ce que des soignants comme ça, on les voit faire des hépatites B d'origine professionnelle ou autre ? Globalement, à l'époque, on avait fait ça, il y a quand même maintenant quelques années, on n'avait pas trouvé de contre-exemple. Alors peut-être qu'il y avait effectivement une immunité cellulaire ou le taux d'anticorps autre n'était pas détecté. Donc, pour l'hépatite B, où on y travaille depuis des années, on n'a pas la réponse. Donc, pour la COVID, je dirais, on l'a encore moins, mais ça fait partie de toutes ces choses qu'il faut encore explorer. Mais aujourd'hui, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Merci beaucoup. Après, il y avait une autre question aussi qui avait été posée via le site Internet. Dans la période actuelle, donc des fêtes de fin d'année, pour ce qui concerne les EHPAD, il y a des recommandations qui ont été données avec une autorisation de sortie des résidents pour passer les fêtes dans leur famille. Mais par contre, à leur retour, il est demandé systématiquement de leur faire un dépistage par PCR et de rester en isolement pendant 7 jours avec absence d'interaction avec les autres personnes de l'EHPAD. Et finalement, en fait, il y a une personne qui a posé la question en cas de résident pour lequel il y aurait eu une infection au Covid déjà documentée au cours de la première ou de la deuxième vague. Est-ce que ce protocole doit aussi s'appliquer ou est-ce qu'on peut finalement considérer qu'il est protégé ? Alors, enfin, moi, le sens de ma réponse, c'est non, on ne peut pas, au prétexte qu'il en a déjà fait une, dire on ne va pas appliquer ce protocole. Maintenant, l'autre question qu'on pourrait poser et qui est beaucoup plus polémique, c'est quelle est la faisabilité de ce protocole ? Hein, je vous rappelle qu'en France, hier, on a été déconfiné et autoconfiné pour faire des tests à 7 jours, etc. Il y a des choses sur lesquelles la faisabilité va être complexe. Quand on dit au directeur d'EHPAD, vous allez entre guillemets, isoler chacun des résidents et une grande partie va vouloir sortir à Noël pendant 7 jours, l'organisation qu'il faut après, ne serait-ce que pour apporter les repas en chambre si on ne veut plus utiliser la salle à manger ou des choses comme ça, je pense que ceux qui ont édicté ces recommandations n'ont pas, dans une politique de gestion de risque a priori, imaginé tout le poids que ça peut représenter, le personnel supplémentaire pour le faire, à un moment où le problème RH est majeur. Mais sur le plan scientifique, c'est très logique. Sur le plan de la faisabilité, c'est plus compliqué. Pour autant, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait la COVID que quand il reviendra, il ne peut pas l'avoir contracté au réveillon. Dans les 4 exemples que j'ai, ce n'était pas un réveillon, mais ça aurait été possible. Surtout chez des personnes âgées avec qui, avec l'immunosénescence, on est encore moins sûr de la qualité de la réponse immunitaire. Merci beaucoup pour votre réponse. Et c'est vrai que finalement, pour rebondir par rapport à ça, on l'a bien vu au travers des 2 présentations et puis surtout des différents exemples que vous avez pris, on a quand même l'impression qu'il y a énormément de cas particuliers en quelque sorte et que c'est extrêmement difficile de pouvoir finalement établir une évolution, une cinétique à la fois de la réponse immunitaire, mais également du risque infectieux et de la charge virale en fonction des différents profils des patients. Et du coup, une question justement par rapport à ça, quel est l'intérêt de combiner la sérologie au test PCR à un instant donné en fait ? Il y a un moment où ça a été coupé, donc s'il y avait une question, malheureusement, je ne l'ai pas entendu.
Excusez-moi, donc la question c'était quel est l'intérêt ou la pertinence de coupler à un instant donné à la fois une PCR sur prélèvement nasopharyngé avec une sérologie. Comment interpréter en fait la Peut-être combinaison? plutôt laisser le virologue répondre. Hein. Moi, je veux bien donner une réponse, mais il est plus légitime, là, en l'occurrence, que ce soit le virologue. Alors, bah, je vais répondre, je ne vois pas bien là. Si vous avez enfin, combiné les deux vont s'interpréter de façon séparée. Vous n'allez pas pouvoir, interpréter la sérologie. Si la sérologie est positive, la PCR pourra être positive. C'est exactement ce que disait Christian. Faire les deux en combiné va pas spécialement vous aider sur la gestion de l'infectiosité du patient ou sur sa prise en charge. Moi, j'ai une question peut-être qui fâche, mais je vais quand même la poser par rapport à ce que tu as dit, Christian, par rapport à ton topo à toi. On a eu quand même beaucoup de soignants qui étaient malades, première vague, deuxième vague. Ben, un soignant, il a été, donc il est guéri, il revient au travail. Alors, bien sûr, on est au stade du port de masque généralisé. On a enfin, la bonne conduite au travail appliquée précaution standard. Est-ce que, enfin, donc je le pose quand même. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à avoir avec un soignant qui était Covid, qui est guéri et qui va représenter n'importe quel symptôme? Donc c'est, j'ai envie de dire, ça, même réaction, même attitude. Ou est-ce qu'on est encore plus vigilant pour un soignant qui est anciennement Covid? Bon, je ne pense pas qu'il y ait de raison d'être plus attentif, mais il n'y a pas de raison de l'être moins. C'est-à-dire, bon, quand il revient, il y a la phase des 7 jours d'éviction, sauf s'il est asymptomatique et que l'hôpital ne peut pas faire autrement, ce qui a fait couler quand même beaucoup d'encre chez nos amis nantais en particulier, mais pas que. Et puis, après, il y a les 7 jours de port de masque qui n'ont plus vraiment de sens, puisque de toute façon, on est masqué en permanence. Mais dès qu'un soignant présente des signes, qu'il ait fait la COVID ou pas la COVID, on retourne dans le même schéma avec la RT-PCR à faire le plus rapidement possible, l'éviction dans l'attente des résultats. En général, maintenant, surtout dans nos hôpitaux, ça va assez vite pour avoir les résultats. C'est une question d'heure, hein, ce n'est pas une question de jour. Et puis, en fonction de ça, on avise. Mais enfin, moi, je ne me base pas sur la sérologie, sur l'antécédent. Après, en plus de quoi, vous avez là des antécédents sur lesquels il y a une RT-PCR positive, il y a ceux qui ont eu des sérologies positives à un moment, puis vous avez tous ceux qui vous disent a posteriori, mais moi en février, avant même la première vague et avant même les tests, il y a un jour où j'étais à Nosmic, j'ai un jour où j'étais à Gueuzic, il y a un jour où j'étais fatigué, je suis sûr que j'ai fait la COVID. Et on ne trouve rien chez eux, je ne sais pas s'ils l'ont fait, qu'ils font partie des 5% qui n'ont pas d'anticorps, je ne sais pas. Donc je pense que l'attitude, la bonne, c'est si on veut une procédure renouvelable et qui ne soit pas sujette à caution à chaque fois, c'est de rester sur le standard et dire voilà. Hein, un soignant qui présente des signes compatibles, bah bim, on fait la RT-PCR. Très bien. Merci beaucoup. Même un Strasbourgeois. Surtout un Strasbourgeois. Nous, on frotte tous les gens de l'autre côté des Vosges, hein, ça c'est sûr. Sarah, est-ce que tu as encore des questions sur le chat ou par un autre biais? Non, il n'y a plus d'autres questions. D'accord, bah, de toute façon, on a rattrapé un peu la montre. Je propose qu'on, bah, je vais vraiment remercier les deux orateurs pour votre communication qui ont été hyper intéressantes. Merci à Christian d'avoir confirmé que les questions étaient pertinentes. Ça m'a rassuré. J'ai eu peur. Je vais d'ores et déjà, avant de passer la parole à mon président, je vais vous annoncer qu'on aura un prochain webinaire. Qu'on va faire mi-janvier. Alors la date, c'est encore aux derniers ajustements. Ce sera un mardi ou le 12 ou le 19. On vous dira, on communiquera. On parlera cette fois-ci vaccination anti-SARS-CoV-2 et stratégie globale de lutte. Je ne trahis pas encore les qui seront nos orateurs, mais on aura bientôt une communication sur le sujet pour poursuivre un peu ces webinaires.
de communication scientifique. Donc, merci aux participants. Je vais passer la parole à Bruno Grandbastien pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Donc, un grand merci Alexandre, un grand merci Christian pour vos deux présentations. Merci Thierry, merci Sarah pour la gestion un petit peu de questions et de la discussion un petit peu autour de cette présentation. Donc, la SM2H est très heureuse de pouvoir proposer ce type d'espace de communication et d'échange. Thierry vient de le dire, on continue en janvier avec d'autres communications, d'autres webinaires. On essaiera de suivre un petit peu l'actualité et on reviendra, je pense, fréquemment et régulièrement avec ce type d'offres, de formation et d'échanges. Alors, vous avez été timide, hein, il y a eu assez peu de questions, c'est un peu dommage, c'est un espace d'échange et de discussion. Donc, gardez un peu en mémoire les prochains webinaires, gardez aussi la possibilité de discuter, le chat est ouvert pour ça. Et avant de vous laisser, de vous lâcher pour une soirée bien méritée, je voudrais profiter un petit peu de ce moment pour vous souhaiter quand même de passer d'excellentes fêtes de fin d'année en étant raisonnable, c'est-à-dire en gardant des groupes de petite taille, de ne pas contribuer à la diffusion de ce virus. Hein. Christian nous a monté des courbes un petit peu inquiétantes. Il est de notre comportement à tous, comme citoyens, de faire que ça ne dérape pas davantage. Passez des très belles fêtes de fin d'année. Je ne vais pas vous souhaiter une très belle année 2021, parce que quand on a dit ça au début de l'année 2020, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi chaotique que ce qu'elle a été. Mais on aura l'occasion de revenir tous ensemble, de discuter et échanger autour de ce sujet et je l'espère aussi autour d'autres sujets. Même si on n'en a pas l'impression, il n'y a pas que Covid dans le monde de la prévention et du contrôle de l'infection. Je vous souhaite une très belle soirée. Un grand merci à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir.